Vendredi 19 mai marquait le jour du 5e anniversaire de mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Le couple princier accède désormais au statut de noces de bois dans un silence presque total. En effet, les membres importants de la royauté britannique ont passé leur tour pour célébrer cet événement, qui intervient 13 jours après le couronnement du roi Charles III auquel l'ancienne actrice américaine n'a d'ailleurs pas assisté. Un ami de la duchesse de Sussex a néanmoins pensé à elle en publiant, sur son compte Instagram, une photo en noir et blanc des tourtereaux. Il s'agit de Misan Nariman, photographe d'origine nigériane, qui a salué les 5 ans de courage qu'ont vécu Meghan Markle et le prince Harry, de leur union filmée par les caméras du monde entier au sein de la chapelle Saint-Georges, au Royaume-Uni, à leur départ aux États-Unis, où ils élèvent leurs 2 enfants. Un post sobre, dont les commentaires ont été désactivés, qui prouve l'admiration que porte l'ami de l'ancienne actrice au couple que celle-ci forme avec le frère cadet de William, malgré les épreuves qu'ils ont surmontées. Comme l'a rapporté British Vogue, Misan a rencontré Meghan il y a longtemps, lors d'un événement caritatif. Et vraisemblablement, le photographe a eu une véritable influence sur la vie amoureuse de la jeune femme. Supérieur à Meghan et Harry, Charles et Camilla. Où se sont mariés les Windsor? Une course-poursuite inventée de toutes pièces? Meg m'a rappelé que si je ne l'avais pas présentée à un ami commun, elle n'aurait jamais rencontré Harry. Je suis reconnaissant pour le petit rôle que j'ai joué, avait-il lancé avec amusement. De son côté, le couple princier continue de faire fréquemment couler beaucoup d'encre. Le 16 mai dernier, alors que les Sussex venaient d'assister à la cérémonie des Women of Vision Awards, durant laquelle l'ancienne actrice de Suits a été récompensée pour son engagement en faveur du féminisme, une course-poursuite aurait eu lieu dans les rues de New York. Un porte-parole du prince Harry et de sa femme a assuré que des paparazzis agressifs les auraient suivis alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule, en compagnie de Doria Raglan, la mère de Meghan Markle. Une version des faits quelque peu contredite par le chauffeur de leur taxi, qui a estimé qu'il ne s'était pas du tout senti en insécurité durant le trajet. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bac Gris du SA.